La dernière fois, on s'est lancé dans la création d'une nouvelle base. Après un départ difficile, on a quand même réussi à sécuriser une maison. Mais malheureusement, on n'est pas resté tranquille bien longtemps. Donc aujourd'hui, faut farm et continuer d'améliorer cette base. Il ressort. Il va par où ? C'est lui. Il sort, il va vers... C'est tendu. Je peux appuyer la grenade ? Il pleut. Ouais. Bien relou ça. Et on va où en premier? On va à Svir. Bah ouais, on va essayer de choper des clous là-bas. Vas-y. Et je sais pas où on chope un code lock après. Ah ça ouais, faut lutter. Attention, j'arrive. C'est quoi autour de la base? C'est moi. Ouais, je sais, je rigole. Bon, vas-y, on va pouvoir bouger. Hein. Ouais. Je sors. Je vais se fermer. Une Merlin, tiens. Je la ramasse pour l'instant. Ouais. Gunrack kit. Oh. Il est où? Sors moi là. Attends, je vais l'emmener dans la base. Attends, je suis le zombie. On va le poser, on va pouvoir mettre des armes dedans là. Bah oui. C'est pas mal ça. Je vais se fermer. Je vais voir, vas-y, que je regarde un peu comment il se met. Attends, je vois juste moi aussi. Ok, ça se met comme ça. Tiens. Ah mec, c'est très dur à mettre. Ah ouais, mais il y a le sac qui gêne. Attends, je l'enlève. Et la hog, attends, je l'enlève. Oh, on va en mettre un là, hein, déjà. Ouais, ouais, mets-le là. Ok, là, je vais mettre la hog dedans. Je vais mettre le tundra, tout ça. Ah, oh, ça c'est bien ça. Ah oui. Allez, on met, ça va libérer, ça c'est bien. T'as mis le toundra tout ça? Ouais. Parfait. Voilà, le truc, y'avait rien là maintenant. Attends, je vais mettre la hog. Ça court dehors? C'est vrai? Oui. Ah oui. Il est devant la porte, gros. Fais pas de bruit. Oh, dommage. Tu l'as vu? Ouais. T'as quoi comme arme? Pioneer et Mosin. T'as rien d'autre? Non. Je peux pas fermer la porte. Ah gros, sérieux? Ah, il a une arme. Putain! Oh, on est 20 sur le cerf, faut qu'il y ait un connard là. Ouais, bien stuff en plus, bien stuff. Je le vois. Ça traverse pas, je crois. Hein. Ah si, ok, c'est que j'ai tiré trop bas. Tu as touché? Je sais pas. Il est où? Il est parti sur la droite. En fait, il tenait en visu le trou. Et ça a tapé le... Quand j'ai voulu tirer, ça a tapé le bois. Putain, sinon, c'est galère. Sinon, je l'avais plein de tête, hein, je te le dis. Putain, mais qu'est-ce qui vient nous faire chier, là? Attends, je vais recharger. Je sais pas, il est bien stuff, en plus. Bah lui, il va nous casser les couilles, gros. Ouais. J'aurais dû sortir et l'arracher. Bah mais là, si tu meurs pendant qu'il y a la porte ouverte... Bah oui, c'est le problème. Parce que moi, j'ai qu'un pionneur, hein. Je sais. Là il me rush, il m'arrache hein. On est Keblo là-dedans mec. Sinon viens, on essaie de parlementer hein. On lui parle. Mais il est plus là. Bah il doit être autour gros hein. Ouais, il est parti prendre un visu c'est sûr. Imagine je lui ai mis la balle, mais en vrai je pense pas il serait mort pleine tête. Tu fermes cette porte là et tu tentes de sortir. Et toi tu restes dedans au cas où? Bah moi j'ai l'AK pour rush si jamais il... Pour tirer si jamais il ouvre. Putain j'espère que je vais réussir. Faut que tu refermes celle-là. Ouais faut que tu sortes et tu refermes. Et tu cours, tu te fais pas tuer, mec. Gros, faut que si j'arrive à pas à la fermer, je vais avoir le seum, Sean. Je sors.
Ok, je suis sorti. Il me shoot. C'est d'où il est? Ouais, il était en face. En face de la porte? Ouais, à peu près, ouais. Je suis obligé de back. Je suis en train de back. Je fais genre, je me barre loin. Après, c'est peut-être pas qu'on était deux, hein. Enfin, je pense que oui, mais. Non, pas forcément. Ok, je back, je pars loin. Faudrait que je prenne un visu, j'essaie de le tuer, mais. Il doit être dans les rochers. Si je tombe au corps à corps contre lui, je suis mort. Bah, je fais quoi? Je sors et je tente de. Bof. Je sais pas, Sean. Ok. C'est bon? Ouais. Il m'a peut-être poursuivi, hein. Il a peut-être enlevé le visier. Mais t'allais par où? Bah, je suis allé direction Zvir, tu vois. Mais là, je suis dans la colline, en gros, là, au-dessus de la maison, presque. Parti en courant, moi aussi. Il avait un brassard jaune, lui. Ok. Il avait silencieux bouteille et tout, hein, sur ses armes. Ouais, j'ai vu. Putain, on se fait déjà, mec. Déjà spam. On a qu'une porte. On va y passer, hein, mec. On va se faire raid, hein. C'est un truc de fou. Hein. On vient à peine de commencer, il y a déjà des mecs. Ouais. Les gens sont énervés. On fait quoi? On va par où? On se rejoint où? Attends, moi je regardais déjà si je le voyais quelque part. Ouais, moi je le vois pas. Ah, mais là on va par où, gros? Le problème c'est que, mec, dès qu'on va se mettre à build, le gars il va être visé, il va nous attaquer. Ouais, faudrait le tuer, putain. Bah, je sais pas, on va se casser, mais bon, si on revient et qu'on se fait fumer devant la base. Non, mais faudrait fumer, mais. Ah, ouais, mais il a dû bouger. Non, s'il a tenté de me poursuivre, mais. C'est qui en bas? C'est toi? Ouais, saute. Non, je suis sur les rochers, moi. C'est bon, je te vois, je suis derrière toi. Ok. Non, mais il a bougé, hein. A mon avis, mais attention, il m'a vu partir, je pense. Il a essayé de me poursuivre. Il est peut-être allé vers Svir, du coup. Bah, possible, hein. Vas-y, go vers Svir, hein. Qu'on arrive à les farm. De toute façon, moi je m'en fous, j'ai rien. Moi, c'est juste, je veux faire des portes en plus. Parce que là, ça me plaît pas, en fait, de se faire camper comme non, ça. Ah, non, mais je suis d'accord, moi je suis d'accord. Hein. Je suis entièrement d'accord. Je vais me mettre un marqueur à Svir. Ah, j'aurais dû sortir et l'arracher, mec. Ça se trouve, on l'aurait baisé. Et t'as pas shooté, toi, quand t'es sorti, non? Non, il m'a pas shooté quand je suis sorti. Bah, je pense qu'il a peut-être cru que j'étais tout seul, il m'a vu sortir, à mon avis, il a tenté de me poursuivre. Ouais, ou alors il s'est barré. T'es dans ce vire là? J'y arrive. J'arrive bientôt dedans, là, je suis au niveau de la ferme. Tu vois des aides. Je te vois courir là, tu vas vers l'autre ferme là. Non? Je bouge plus là. Non, le mec il rentre dans la ferme, Ah ouais? Il rentre dans l'autre ferme, mec. C'est lui, il va dans la petite ferme marron. Ouais, je vois. Il ressort. Il va par où? C'est lui. Il sort, il va vers. Il descend dans ce vire. Tu lui as mis une balle. Tu lui as mis une balle, gros. Mais attends, il prend une grosse balle, il tombe même pas inconscient. Mais c'est quoi ce délire? Non, il se barre. Mec, tu lui as mis une sale balle. Il a pris une putain de balle, il tombe même pas inconscient. Il se barre encore. Non, mais arrête, c'est quoi? Il se barre. Il est à gauche de la maison verte là. J'ai plus de visu. Non, ça dégoûte, gros. Tu lui as mis une sale balle. Vas-y, gros. Tu le vois plus? Non, j'ai plus de visuel, je back. Non, gros, vraiment, je suis dégoûté. On n'a pas de réussite. C'est trop dur. Le jeu nous aime pas, mec. Il doit être dans un bush, hein. Fais gaffe à toi, le S. Je sais. Faudrait cover qu'il revienne pas à la porte de sa base. Bah ouais, je peux tenter. Ah, sur moi, il m'a cassé les jambes, Sean. Il est où? Il est là où ça tirait. Il a pris une balle de pionneur, j'ai mis une balle. Ok. Il est où? Je vois pas. Je suis inconscient, il a pris une balle de pionneur, gros. Je vois pas où c'est. Ah, là où ça tire, gros. Mort! Inconscient. Bien joué, termine-le. Je suis vu qu'il n'entend, je vais me casser. Je l'ai terminé. Bien joué. Faut pas que les ennemis me tapent! Évidemment, les zombies. Gros, je lui ai mis une sale balle de pionneur. Bien joué. Endoscope et tout. Il a les porte-plaques très abîmées, faut que tu le prennes. Il a une AK. Ouais. J'ai déjà un PP, moi. T'as un PP? Ouais, je suis jambes cassées, gros, il me faut une attelle. Putain, j'ai pas. Je te donne un couteau si tu peux m'en faire une. Ouais, faut que tu te déplaces un peu plus loin. Putain, il a des brassards jaunes, mec, il est pas tout seul, lui. Faut qu'on prenne ses armes et tout, qu'on se casse. Ouais, mais je peux rien faire, gros, je suis jambes cassées, moi. Et Victigno. Je sais. J'aime pas devoir faire une attelle ici, mec. Ouais, je sais. Je te fabrique une attelle, mec. Moi je vais réparer mon PP en attendant. T'es où là comparé à lui? Je suis sur lui, dans le sapin. Il est mort où? Là. Fous-toi la telle, je la fous au sol. Ok, merci gros. J'avais rempli un sac d'armes, t'as pris toutes les armes? Ouais, j'ai pris les. J'ai pris le sac qu'il y avait sur lui, quoi. Ouais, mais dedans il y avait des armes, j'ai chargé d'armes. Ah, oui, j'ai pourquoi le Zastava il est par terre et tout, faut qu'on emmène ça. Non,
Ouais, c'est normal, j'allais le prendre, c'est que je l'avais dans les mains. C'est bon. Ok. Au moins, on peut bouger, hein. Vas-y, vas-y. On y va, on y va. Et juste le sac d'alpiniste, attends, je vais le prendre dans les mains, comme ça on va le garder. Hop. Voilà. Ouais, mais on n'aura pas de. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, je pars. Donc, moi, je vais mettre du temps chaud, hein. C'est toi? Ouais. T'es où là? Je suis en train de monter vers là où tu m'as croisé dans le bush. Sachant que tu pourras pas escalader donc faudra contourner. Ouais. Je suis en train de, tu sais, de passer vers là où tu m'as vu dans le bush. Putain, c'est des clous qu'il nous faut. Si on a le code lock, on pourrait faire une deuxième porte pour être un peu plus serein, mais. Bah oui, oui, oui. On a pas de clous, gros. Moi là, je suis vite dans le rouge, j'ai envie de casser. Je sais, mais toi, faut que tu remontes, tu te reprennes ton. Ouais, ce que je fais, hein. Je vais 1 km 3 là. Au moins, il est mort lui, putain, tant mieux. Oui, oui, tant mieux. Ça lui apprendra à venir nous faire chier. Ouais. Oui, enfin bon, pas s'emballer trop vite. Hein. Non, il va peut-être revenir, mais au moins pour. Voilà, ça lui apprendra pour la première fois. Non, mais c'est vrai que c'est pas marrant, tu te cotes, tu te fais déjà harceler. Bah, allez. J'avoue que mec, tu passes pas un bon moment quoi. Mais là, on est trop léger en porte, on est trop léger en porte, mec. Bah, allez, allez, allez. Puis lui, il va revenir en plus. On a bien pris toutes les armes qu'il y avait sur lui et tout. Bah, moi j'ai pris tout ce que je pouvais, ouais, donc. Ouah, c'est mouvementé, hein. Ouais. On est 21 gros, il était 9h du mat, on spawn, y'a un mec qui court autour de notre base, c'est quand même, le timing est improbable. Ah, mais c'est fou. J'aurais bien aimé savoir son nom, c'est dommage qu'il n'y ait pas de kill feed. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas les dog tags, mais oui, c'est pas plus mal, pas plus mal. Bah oui, ou les dog tags, ouais, j'avoue, les dog tags. Par contre, ouais mec, tu lui as mis une balle de Mosin, ensuite j'ai remis une balle de pionneur. Ah bah c'est le porte-plaque il tank très très fort. Hein. Ah ça a l'air. Hein. Il avait un vrai porte-plaque mec, il était bien. Mais lui, je sais pas s'il a une base à Svir ou si justement il vient pas d'en haut et il descendait. Possible, hein. Mais t'as vu, par contre, je t'avais dit, hein, le bait de genre le mec qui m'a vu partir, je savais qu'il allait, il allait à la Svir, genre pour me suivre. Ouais, on pensait prendre un petit coin tranquille, mec, pour l'instant c'est pas le cas. Hein. À 20, il y a ce problème là, imagine quand on sera 80 sur le serre. Ok, bon, je vais poser des armes dans le gun rack là. Bon, on a un autre code lock. Bah du coup mon pionneur je le mets là, hein. Moi je vais plus le jouer, je vais garder le Mosin. Et je vais jouer le Zastava. Hein. Ouais. Bah fais gaffe à toi, mais oui. Le code lock, tiens je le mets là, comme on n'a pas la place, je l'ai mis dans le gun rack. Ouais, je fous un coup de charbon. Ah j'en ai un deuxième de charbon. Pose-le par terre, on s'en fiche. Donc, on arrive à choper des clous mec, ça... Oh là là, on a tellement à faire encore. Voilà, déjà je suis content parce qu'on a le code lock déjà, ça c'est une bonne avancée. Oui. Ah bah c'est sûr. Mais bon là un C4 on saute, hein, et tout le monde a du C4. Hein. Ah ouais, je sais. Sauf même le mec qu'on a tué il a un C4, donc du coup si jamais tu vois, il s'énerve. Ouais. Mais bon de toute façon ils n'y croient du C4 pour rien parce qu'on a que dalle. Donc... Ah oui mais oui ça fera, juste ça fera chier de perdre une porte. Et tout quoi. Ah oui je suis d'accord. Hein. Bon on va où? Bah on va aller au marqueur là-bas, on va aller dans la zone indus, on va essayer d'aller voir. Hein. Ouais 1 km il y a la zone indus de Mishkino. Peut-être là-bas on va trouver des trucs. Vas-y. Tu sais que là si jamais on a des clous on peut faire même une porte en métal pour la deuxième porte. Ah ouais? Ouais, donc là ça sera intéressant. T'as la Zastava encore, encore. C'était quoi la Zastava? 5,45? Non, 7,62,39. Ah oui, ça aussi? Ouais. Là, c'est comme un genre d'SKS en fait, avec chargeur 20 balles. Oui. Ah ouais, ça rigole pas. Ouais. Au moins, j'ai un truc de corps à corps maintenant. Ouais. Car c'est la zone indus là-bas, mais putain. Ouais, je sais. Eh, le mec, on peut croiser des mondes. Eh, hein. Mec, il peut y avoir des gens. Je te dis. Tu dis là-bas, c'est notre salut, il y a des clous. Tu penses? Ouais. Vraiment, il nous faudrait plusieurs boîtes histoire qu'on soit vraiment, vraiment bien, quoi. Ah, ouais, je suis d'accord. Et une pioche aussi qu'on commence à construire le drapeau. Oh non, il va faire nuit, gros. Il va faire nuit, putain. Oh non. T'as pas de JVN? Non. Oh, c'est relou. On a jamais les timings. On part le moment où il fait nuit. Oh, y a des planches ici, regarde. Ouais, ici, oui, y a des tas de planches. Ça, c'est pratique. Ça a été loot, les portes sont ouvertes, hein. J'ai abattu les Z avant qu'il fasse nuit et que. Qu'on voit plus rien. Je sais pas si les zombies peuvent drop des clous. Très bonne question. Oh là là, c'est vraiment terrible de nuit comme ça. Je galère à voir les Z, mec. Bah, tu m'étonnes. Vas-y, y'a que dalle, hein. C'est pas du tout notre salut, là. Une petite boîte de clous, le kiss. Une petite boîte de clous, porte-nous chance, mais allez. Eh oui, allez, là, putain. Oh non.
Non. Oh non mec, ça va nous mettre dans la merde. On arrive à Mishkino, ça va, on pourra se mettre dans une maison. Ah ouais, on pourra se mettre dans une maison, mais bon, putain. J'ai une planteur boîte kit. Qui ouvre une porte? C'est moi, je me suis enfermé. Là je rouvre là. Ouais, c'est moi, je suis dedans. C'est bien. J'ai... ça, planteur boîte kit. Ouais. Par contre, je vois rien moi, putain. T'es où là? T'as même pas, je suis dans la maison à côté. Ok, c'est moi la porte. Faut attendre que le jour revienne. Je referme. Ouah, ils sont nombreux. Ouais. Non mais y'en a combien? Je sais pas gros, y'a 3 meutes gros. Oh, ils m'éclatent les oreilles. Ah ouais, ouais, même moi. Ça fait un son aigu gros, c'est... Qui court? Pas moi. Ok, c'est les loups. Ouah mec, vraiment ça me pète les oreilles, ça me fait un son. J'en ai tué moins un déjà. Ok. Ce qu'il faut, c'est réussir à tuer l'alpha. Ouais, comme ça les autres ils se barrent. J'en ai tué un autre. Encore un de mort. Ils sont barrés ou pas? Je sais pas, j'entends plus rien. J'ai l'impression qu'ils sont barrés. J'ai l'impression qu'ils sont barrés, mec. Ouais, j'entends des aides, mais j'entends pas d'autres trucs. Déplace-toi accroupi pour les entendre, surtout. Je sais même pas où je vais, je vois R, gros, c'est relou. Putain, des clous, mec, il nous faut des clous. Je sais. Et d'ailleurs, j'ai mes potirons, ils ont jamais poussé en fait, hein. Bah, attends, t'étais barré. Non, mais ça devrait pousser quand même. Bah, oui, mais y'a des gens qui sont passés, ils ont ramassé entre temps. Ouais. Bah, si, ça c'est certain. Je sais pas, il restait pas les plants par terre. Quand tu ramasses, il reste des plants par terre. Parce qu'ils ont tout enlevé. Ah, mais la planter box en fait, c'est ok, c'est pour planter des. Bah, oui, tu sais que ça. Ouais, non, mais bah, je sais pas ce que c'était. Putain, mec, on a rien trouvé. Attends, je voulais mon marqueur. T'as tout loot dans Mishkino? Bah oui, tout ce que j'ai vu en tout cas. Go Putoshka, hein. C'est à côté. 1 km3. Là, on peut trouver des clous là-dedans, mais faudrait qu'il fasse jour, qu'on voit bien. Il est 4h32, ça va se lever, je pense. Bah ouais, normalement vers 5h. Putain, fais gaffe avec ta lampe parce que là, on est repéré de très loin. Moi, j'ai plus de balles de pistolet silencieux. Je dois faire au corps à corps, les aides, s'il y en a. C'est moi qui ai un gros? Non, c'est moi. Bon bah y'a plus qu'à trouver des clous maintenant. Et de la chance mec, et ta chance légendaire et... Ah j'aimerais Trouve-nous des clous. On trouve des petits trucs à droite à gauche, c'est cool, mais c'est léger quand même. On est pas sur une boîte de clous quoi. Ça existe au moins les clous. Oui. Et quand tu les as trouvés toi c'était où quand t'en trouves? Je te l'ai dit dans les petits chiottes de jardin là. T'es dans une maison là? Non. Hein? Non, j'étais en cabanon. Non? Y'a un mec dans une maison? Info, où ça? Quelle maison? Mais maison marron. Putain, maison marron, elle est où? J'avais un mec dans une grosse maison, mec. Maison marron. T'étais pas dans une grosse maison, c'est sûr. T'es pas groupie? Non, c'est pas moi. Je suis dans un cabanon. Mort! Bien joué. J'ai même pas entendu tes tirs, gros. Je suis vers le centre de la ville, là. On descend par la route devant l'église. Ouais, j'arrive. Tu viens de m'aider au cas où il y a d'autres gens. Toi qui arrive là-bas? C'est moi, là, je saute. Ouais, bah le mec, putain, il était là. Waouh, mec. Exceptionnel, j'ai failli rentrer dans la maison et aller le voir. J'espère qu'il a des trucs, lui. Vas-y, viens, couvre-moi. Il se déplaçait accroupi, mec. Il a SKS. Il a des balles et tout. Mais tu l'as tué avec un silencieux. Ah oui, t'es en silencieux. Poudre à canon, je sais pas quoi ça sert, je ramasse. C'est pour les C4. Non mec, c'est exceptionnel. Ouais. Je commence à être G-Char, mais putain. On a pas de place, on a pas de stockage, on a rien. Bah si on a des clous, on va pouvoir faire une porte plus des caisses, mais... Mais ouais, mais... Faut des clous, quoi. C'est ça le problème. Faut des clous. Là vraiment la mission c'est de trouver des clous. Mais t'as vu, y'a du monde, hein. On pourrait croire qu'il y a personne, mais y'a du monde, hein.
Putain, on va galérer à trouver une boîte de clous, frère. Ouais, mais c'est tout le temps comme ça quand on veut build. Bon, j'annonce, c'est une boîte de clous dans Vibor. En plus, il y a une zone indus à Vibor, on peut aller la loot. Ah ouais, ouais, mais bon, le truc c'est que Vibor là, ça commence à être les zones où. C'est tendu. J'ai pris un piège à grenade. Non, j'ai même pas entendu. Oh ouais. Je suis pas mort. Mais mec, ça a l'air qu'il y a du monde dans le coin. Oh, je l'ai entendu péter, gros. T'as pris du dégât? Non, non, non. Non, non, mais ça aggro tous les aides, mec. Ils m'ont mis un piège à un endroit. J'ai une pioche jaune. Super. Mais je peux pas la prendre. Moi non plus, j'ai pas de place. Bah, j'ai peut-être une scie, hein, tant pis. Ouais, ouais. C'est moi qui tire, mec. C'est la merde, faudrait. Putain, gros, tous les aides qui m'ont fait aggro, c'est des bâtards. C'est des bâtards, putain. Quel genre de bail de faire ça? J'avoue, les enfoirés. J'étais à la zone indus, mais j'ai peur qu'il y ait d'autres pièges maintenant. On fait très... Et surtout, si tu te prends un câble en passant un mur, gros, tu cours très loin. Très très loin. Ouais. Ça te fait le bruit ou pas? Ouais, ça m'a fait cling. Oh, ah, ils ont une base à côté. Putain, ils ont une base, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ah, les connards, s'ils sont à côté, mec, ils savent que je suis là. Putain, ça, tu l'as entendu loin la grenade ou pas? Bah de... du centre de Vibor, quoi. Ah ouais, ouais, putain, faut que je bouge, hein. Si les mecs, ils se rendent dans le coin, qu'ils ont entendu le piège, ils sont sûrement déjà en route, hein. Décale, décale, hein. Ah, les loups, putain, je suis con, on les a pas dépecés. C'était où, on était où? Ah bah, c'est trop tard, hein. Oh non, j'ai rien, on aurait dû les dépecer pour la bouffe. Mais c'est bon, on en trouvera de la bouffe, puis les loups, ça donne que dalle. C'est de la mauvaise bouffe, les loups. Ouais, mais bon, moi, c'était quand même un peu de viande, quoi. J'arrive, hein. Ouais, ouais. On a un set jammer ou pas? Une masse? Ouais, j'en ai une. Ça va, donne-la. Ça, ça se fait en plusieurs étapes, ta masse, elle est cassée, putain, merde. Tu l'as détruite? Bah, elle devait être très abîmée, du coup. Non, elle était juste à l'état abîmée normal. Ouais, bah écoute, au moins on a fait un mât et un drapeau. Maintenant faut qu'on mette 32 cailloux. Ouais, ça va mettre du temps à se faire. Cool, hein. Bah, à la base, elle avance pas beaucoup. Hein. On tue des gens, on loot des trucs. Ça, c'est pas mal. Hein. On a même chopé un gunrack et un frigo qui est bien. Ouais, mais... gunrack, frigo, on a un code lock, du coup, il manque juste les clous. Ouais, bon, c'est léger quand même. C'est léger quand même. C'est léger, c'est léger. Je suis désolé, c'est trop léger. Bon, comme vous voyez, on n'a pas réussi à trouver de clous. On a qu'une seule porte. C'est vraiment trop léger. Donc, va vraiment falloir en trouver car là, ça va pas le faire. Surtout que visiblement, il y a pas mal de gens qui tournent autour de chez nous, donc on n'est vraiment pas rassurés. D'ailleurs, en parlant de ça, vous vous souvenez du mec que j'ai tué dans l'épisode d'avant? Eh bien, il se trouve que c'était Wizard qui nous avait aidé à faire le bunker sur Livonia, pour ceux qui se souviennent. Car en effet, il joue avec sa team les IQN, et ils sont installés pas très loin de chez nous. Donc je les ai contactés, puis on va aller se faire une petite exploration ensemble. Ah non, moi je savais même pas ce que t'avais, c'était de base moi je savais que j'avais que des bons flingues, mais j'avais pas de plate, rien du tout, j'étais à poil gros. J'ai dit en plus t'es en rouge dans la forêt, je sais pas. Ah ouais, j'arrive, tu vois, je pense au rocher, je me dis attends, pour la vache, je me dis il doit être dans les rochers, et j'arrive tranquillement à Coupi. Tu sais quoi, je l'ai pré-shot le flingue, j'ai dit à Atlas qui était avec nous. Qui était avec moi, j'ai dit gros, il est en train. Je suis sûr qu'il fait un flanc de fils de pute, tu vois. J'ai dit, et je m'attendais à te voir arriver par là, tu vois. Et c'est pour ça que je décale sur les rochers et tout. J'essaie de voir si ça se traverse pas et tout, gros. Et je t'avais perdu de vue. Et je faisais que dire, gros, faut qu'on bouge, ça sert à rien et tout. Ça sert que dalle, je suis en rouge et tout. Et il me dit, ouais, mais attends, peut-être que machin. Je fais gros, s'il y a ses potes dans les bushs et tout qui arrivent, ils sont pas loin, on est mort. Il me dit mais non, je finis pas ma phrase gros, j'entends trr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 
Ouais, je vois ce que je vois laquelle c'est là. Du coup, on veut ouais, ça parce que. Lavé, ouais, ouais, on flippe trop là. Je crois qu'on est devant chez toi, il me semble. J'arrive, j'ouvre la porte. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Putain, c'est bien, c'est vraiment toi, gros. Eh ouais. Eh ouais, je peux te dire, quand j'ai pris, j'ai couru comme ça. Boum, ça tâche, je vois l'impact de Mosin. Tu veux que je te montre où j'étais dans l'impact de Mosin? J'étais exactement là, gros, regarde. On descendait pour looter, tu vois, ta petite cabane de ton chiotte là à gauche et ton truc. Et j'étais là, gros. Descends, j'étais là. Ici. Là. Ah ouais. Descends, ah là, ouais, puis après t'es remonté et tout. Je vois la porte qui s'ouvre. Un délire. Ouais, même les clous, hein. J'en trouve tellement peu. Et j'ai trouvé plus de tôle que de clous. Hein. Ah non, mais les clous, c'est une horreur. Hein. Et ce matin, on tue quand même deux mecs qui sont en train de farm, ils en ont pas non plus. Hein. Pavlovo, les gars. Pavlovo, c'est... Pavlovo. Je veux revoir si ça loot bien. Ouais, je crois que ça loot bien. Y'a pas beaucoup de gens qui. Oh, y'avait trois Mosin dans trois maisons différentes. Sinon, on fait Svir aussi. Svir, on passe par Svir et on fait Pavlovo. Moi, par contre, si j'ai des clous, je fais direct demi-tour et je vais faire ma porte. Ah, bah oui. Vous avez pas de véhicule ni rien, vous? Non, non. De toute façon, je pense qu'on en aura pas. Même si on en a, je sais même pas où c'est qu'on va le foutre parce que pour monter là où on est, gros. Bon, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Mais d'un autre côté, après, c'est la tranquillité aussi. Ah, moi, je me suis mis là, je pensais qu'on allait être tranquille, mais finalement, tu vois, on est pas tant que ça. Hein. Ah, ouais, d'où? Putain, une boîte de clous là, il me faut juste ça. Ah, j'avoue. Corde, t'as pas besoin de corde parce qu'il faut en avoir besoin. Ah, pour le drapeau, si, elle est où? Elle est dans le truc là. Ok, ça pour le flag, ouais, il en faudra une. Il faut des câbles aussi si jamais t'en as pas. Ça par contre, ça a rien à foutre ici. Wesh. Oh, sans oh, place. Sac. Ouais, ils sont énormes. Tu peux même mettre des rondins et tout dedans. Hop, je l'embarque pour là-bas celui-là. Hop là. Sean. Ouais. Viens sur moi là vite fait. T'es où? Mais non. Oh là là, incroyable, merci beaucoup. Bah vas-y, faut vite que j'aille à la base, que je fasse ma porte à la con. Et là déjà ça va être mieux hein, d'avoir le sas. Faudrait qu'on se le fasse. Ouais. Ok, bon, j'ai une deuxième porte en métal. Ok. Donc ça c'est vraiment cool. Ouais, nous faudrait qu'on se mette à les faire en métal aussi. Par contre je me pose la question vraiment de est-ce que je peux démonter l'autre genre et remplacé par du métal aussi. Parce que si j'ai deux portes en métal, déjà là, je suis bien normalement. Par contre, leur mode de porte il est incroyable. Hein. Ouais, il est cool. Hein. Ça pour lock les maisons, c'est tellement plus simple. Ça devrait être dans le jeu de base. Hein. Ok, ça va être bon, les gars, vous inquiétez pas. Hop. Mm-hmm. Putain, j'ai 48 clous du coup. Aïe aïe aïe. Pour faire le drapeau, il n'en reste pas beaucoup. T'en manques pas beaucoup. T'as vu, ça tue de ouf. Mais comment il fait ça? Bah c'est les animations. Attends, mets-toi contre le mur, vas-y, attends, mets-toi contre le mur. Tu fais les deux points pour les interactions classiques et tu vas sur interactions personnalisées et après t'as poté votre ventre, main sur le mur, se gratter les couilles. Regarde, j'ai fait une fouille au corps, regarde. Putain, mais c'est trop bien fait ça. Alors il a des clous ou pas? Ouais, je crois qu'il a des clous, il les a planqués dans son anus. Baisse ton froc. Bon, merci en tout cas pour les clous, merci beaucoup. Il me dit, mais qu'est-ce qui branle? Ouais, ouais, il va se dire, oh, putain, c'est quoi le bordel? Nous, on est full RP, nous. Ouais, bah là, il me faut juste 12 clous, du coup, puis après, la pioche et tout, que je fasse le drapeau, quoi. C'est ça votre base, du coup? Ouais, vas-y, là. Oh, pas mal le système de porte, là. Très, très intelligent. Ah, ouais. J'aurais dû faire ça. C'est toi qui l'aurais dit? Bonjour, t'es la match. Mon cerveau et rien d'autre. Non mais je sais pas. Ah les gunrack et tout c'est stylé hein. Ah, on a de la chance de les choper là. Même le gunwall là et tout. Moi je suis là moi. Sur le sol. Ouais, merci beaucoup. Incroyable. Putain c'est fou comment on est vraiment à 2 km quoi, c'est incroyable. C'est fou. On aurait voulu le faire, on aurait même pas réussi. Ah non non, c'est dingue. Y'a un petit truc qui est en limite de zone qui est à 2 km 8 et à un moment on va farmer les trucs. Faudrait juste que là je fasse mes. J'aille péter mes trucs là. La pierre là. Quelqu'un peut me donner un fond de bouteille de la vitée quand même? À part perdre de la vie. Et t'as pas de bouteille d'eau sur toi? Si, j'ai une gourde, c'est tout. Bah, remplis-la, remplis-la. Bah elle est où? Ah mais y'a une base. Attends, mais c'est qui vient de sortir de la base? C'est moi, ah, c'est moi, mais c'est notre base, mais oui. Ah ok, ouais, je sais pas moi, gros, tu suis pas là moi. Ok, j'ai des cailloux ici, ah, parfait. C'est là, ok. C'est combien de cailloux pour un drapeau? Je crois que c'est. C'est 32. Ça va être long. Ah oui. Mec, ça va peut-être passer. Hein.
Ça va peut-être le faire, je sais pas. Allez, t'en as 4. Ok. Gars. Ça va le faire, ça va le faire. Si je me mets là. Ah, c'est bon, let's go. Ok, 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 parfait. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable comment tout se goupille bien là. Ah ouais, non, mais c'est vrai que depuis, depuis tout ce qui se passe, c'est fou. En fait, vous avez dû nous cramer l'autre jour quand on avait coupé les arbres, non? Vous avez pas vu les arbres coupés et vous êtes dit putain, y'a des mecs et tout? Pas du tout, gros, on a fait un tout droit. Ah putain. En plus, je me disais, putain, je me dis vas-y. J'ai vu un mec rentrer dans sa base, j'ai dit gros, y'a un mec qui rentre dans sa base, j'ai dit où ça, la maison verte. Et là, j'ai même pas fini la phrase, t'es ressorti. J'ai fait what the fuck, j'ai tiré. Let's go. Ah ouais d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Ok, ok. Et là j'ai un drapeau. Et là tu le hisses après. Je le mets dedans. Ok. Donc là c'est bon, on a un territoire. Là ça va pas dépop les objets. Territoire. Les mecs ils pourront pas, voilà ça pop pas, ils pourront pas construire dans les 60. Oh j'ai claim, comment je fais add member? Bah si tu add tes, pas nous hein, tes 5 boys de la team. Mais c'est quoi, quand j'appuierai dessus je pourrais add... Enfin, ouais, ça va être un des pseudos, non? Ça se passe. Je sais pas comment ça se passe. Ouais, moi, je vais pas toucher pour l'instant. Et je crois qu'il faut que tu te add toi, non? Moi, c'est bon, j'ai claim. Bah écoute, on va bouger hein, maintenant. Bon, bah, merci beaucoup pour cette aide, en tout cas, ça m'a vraiment. Là, j'ai pris une vitesse là. En plus, on a un joli drapeau maintenant. C'est vrai qu'il est stylé. Oh, crash écho. Où ça? Écoute, écoute. Vous l'entendez pas? Si, si. On y va côté, direct. Ok. C'est à côté, c'est... C'est là-bas, ouais. Je l'ai fait l'autre jour. C'est dans le champ au-dessus de la base militaire. Ouais, ouais, ouais. Au-dessus de la base du bout, là. Parfait. Hop, mousine. Bah, tu vas choper un plate, tu vas voir. T'auras un gilet balistique, mec. Pas sûr. Pas sûr. J'ai eu un crash exactement là, l'autre jour, quand j'ai spawn. Je suis allé me loot. J'avais un gilet balistique, une hog. J'ai trouvé un mas 36 aussi dessus. Donc autant dire, je m'étais mis pas trop mal. Autant vous dire qu'il y a personne là-bas, normalement, parce qu'il y a pas de ville, hein. À moins qu'il y a un mec qui sont en train de loot la base. Vas-y, on est les premiers, c'est sûr. Ah là, vu la zone. Après, il peut toujours y avoir un mec qui traîne dans cette base. Hein. Moi, je crois souvent des gens dans la base à gauche. Hein. Mais. Y'a des Z encore? Non, y'a pas de Z. Oula! Mais y'a pas de Z mort non plus. Soit les Z ils ont pas encore spawn, mais c'est bizarre. Oh, MK12, bro. Ah non, c'est un 56. Bah, c'est bien quand même, hein. Des pantalons, y'a plein de trucs. Teste pas trop, y'a des gants, les nouveaux gants, les fameux là. Putain, y'a même pas de gilet, gros, vas-y, c'est quoi cette merde? J'avoue que le drop il est pas très. Après, t'as eu le MK12, mais bon. J'ai mis une veste tactique. Oh. Ah oui, c'est moi. Y'a un bill là-bas. Un vrai? Non. Ici, le MK12, tu peux l'équiper poignée et tout. Ouais, le MK12, c'est une bonne arme. Y'a un mec qui s'est déchargé ici, hein, un peu plus bizarre. C'est l'arme dans Lone Survivor. Un briquet, un couteau. C'est qui dans le bush à côté de moi? Je suis sur la route. Moi, je suis en tir au silencieux donc. What? T'as tué un mec? Mort, y'avait un mec qui s'est posé juste à côté de moi. Mais oui, gros! Mais gros, c'est incroyable! Il s'est posé juste fais gaffe, y'avait pas d'autre, fais gaffe! Mec, il allait me tirer, je t'ai vu, il allait me tirer dessus, mec! Bien joué! Attention, pas tout seul ouais. Peut-être. Hein. Ouais. S'il arrive full blade comme ça, pas tout seul. Hein. Peut-être. Ouais, fais très gaffe. Il a quoi comme arme? Je sais pas, SKS et. Ouais, SKS, Mosine. Mass, pardon. Mais bon. Code lock et tout! Oh, y'a full nice. Y'a full lock. Vas-y, va prendre le code lock, hein, t'as le droit. Il venait d'où là? Il venait d'où ce mec? Je sais pas. Bon. De la gauche? Je sais pas, gros, si j'ai entendu un truc dans le bus sur moi de gauche. C'est toi ça là en noir, ouais, c'est Wizard. Moi, je suis sûr que c'est le mec qui. Il était dans la base et on l'a loupé de peu et... Ça se trouve il a loot le drop avant nous, c'est pour ça qu'il a le masse et tout. C'est pour ça qu'il a eu un plate et tout. Juste, mec, 100% il a fait le drop en premier. C'est sûr, il a fait 100% le j'ai dit moi l'autre jour j'ai trouvé un masse sur le crash d'hélico. Et là il en avait un. Et il avait genre un vieux SKS et tout, donc à mon avis il a fait la base avant, il a trouvé son SKS là-dedans, il avait monté sur le crash et on est passé à côté de lui. Et là il allait m'arracher mec pendant que j'étais en train de tirer les zombies. Putain. C'est pour ça quand t'as dit c'est qui est dans le bush, moi j'ai dit bah non c'est pas moi, je suis en train de tirer de toute façon, donc t'aurais remarqué. Et Wizard était rentré, donc là je me suis retourné, mec. Et là je te vois l'arracher. Il y a eu un coup de pression. Hein. Non, mais en plus j'ai vu le mec viser vers moi, j'ai vu Milan l'arracher. Comme quoi la guilly. Ah ouais, la guilly forte, hein. Il t'est passé à côté, mec.
Il est passé à côté de moi. Ouah, y'a deux Z ici, gros. Non, mais on est où, gros? Ben, on est chez lui. Ouais, chez moi, on a des gardes, on a de la défense. Hop, la doublette. Bah, c'est... Non, c'est une bonne alarme. Ouais, tu me couvres ou pas? Ouais, je te couvre. Je sens qu'il me couvre pas du tout. Il est même plus là, je crois. Si, je suis là. Non, mais je te couvre. Et là, tu vois, il y a quoi dans le baril jaune déjà à la base? C'est le mec. Si y a un mec qui se prend dans un sapin au-dessus, je verrai quoi. Ouais, mais si jamais moi là, je me fais attaquer. Bah, si tu te fais attaquer par un mec, je serai là quoi. Bah, ouais, une fois que je serai mort, tu pourras le. Voilà, je mets rocher. Après, je sais pas tout voir. Hein. Ok, j'ai déjà une carpe. Ok, je crois que j'ai deux carpes. Deux carpes. On va essayer de pêcher 4 poscailles. Normalement, la rivière à côté de chez nous, c'est des carpes. Les filets. Ah, moi j'ai eu des carpes dans ma rivière, donc je pense que vous aurez pareil. Ouais, je pense que c'est ça. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de poisson trop. Si, il y en a plein. Ah ouais ? En fait, j'ai vu ça en recherchant la pêche sur Days. En fait, ça dépend. Les grands fleuves, c'est un type de poisson. Les petits fleuves et petites rivières, c'est un type de poisson. Bah, les carpes. Après, t'as la pêche en basse mer et en haute mer. Et pareil, t'as des dorades royales et tout, tu peux choper en haute mer. Mais comment tu vas en haute mer ? Ah bah ça c'est toute la question. Que je veux bien aller en haute mer, mais... Si, je pense, l'île au sud-est, Skysty. Ah ouais. Et tu te mets au bout et tu pêches quoi. Putain, mais j'ai presque envie d'aller pêcher de la dorade. Mais pareil hein. Dorade royale là. En plus il y a des heures à respecter et tout, genre la nuit tu pêches pas les mêmes choses que le jour et tout, c'est bien foutu hein. Et j'avais un tableau qui montrait tout. C'est exceptionnel. Et pourquoi acheter Fish Simulator quand on a Daizen en fait? Ah, j'avoue que par contre, ouais, je commence à voir tout ça. C'est ça. Moi, j'allais faire des sessions aux cendres et tout. Hein.